l'auras compris, nous sommes retournés dans les années 80 et plus précisément en 1988 parce que dans cette vidéo, je vais vous parler de la collection 1988 de Martin Cosmetics, Martin et ses Aero Beach. Tu sais, la palette sold out en une heure le jour de son lancement, soi-disant une technique purement marketing. C'était la phrase des gens qui puent le seum. Faites attention à ce que vous annoncez sans fondement quand même, hein. Ça peut sembler être un petit peu de la jalousie mal placée. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai retardé quand même plusieurs fois le tournage de cette vidéo parce que quand Gaëlle a annoncé ce projet, ce lancement, quand elle a commencé à nous jeter des petits indices, des petits teasers, des petites photos par-ci par-là, il y a eu un engouement énormissime sur les réseaux sociaux. Ça a créé une Martin Mania. Personne ne s'attendait à ça. Personne. Vraiment, les gens étaient à fond. Moi, la première, je me suis fait prendre par le tourbillon Gaëlle, car qu'on se le dise vraiment, elle nous a claqué une DA du turfu. J'avais jamais vu un lancement cosmétique comme celui-là, clairement. Donc, quand la palette est sortie, ça a été un carton. Mais non seulement quand les gens l'ont reçu, il y a eu que des vidéos crash test Martin Cosmetics palette 1988. Et ça m'a un peu gonflé. Donc, du coup, je me suis dit, je vais attendre patiemment et je ferai ma vidéo plus tard. C'est-à-dire qu'elle a lancé une collection un peu nostalgique avec tout un processus super professionnel qu'il faut vraiment surligner et féliciter. C'est vraiment remarquable le travail qu'elle a fourni, elle et son équipe. Vraiment, c'est du grand bravo. Elle s'est pas dit, tiens, je vais lancer une palette pour cet été, un peu colorée, un peu fluo. Non, elle a vraiment travaillé les moindres détails de cette collection de A à Z et avec le cœur. Non, la meuf, elle a quand même repris toute la fame des ados jeunes adultes des années 80. Les cours d'aérobic, les sitcoms, la VHS, putain, la VHS. Elle a vraiment repris la vibe entière de cette époque où nous, vous, moi, en tout cas le public visé dans ce projet, rêvait de vivre sa propre jeunesse à cette époque. Moi, j'ai une affection très particulière pour ces années 80. Mes parents, ils m'ont eu à 20 ans en 1992, c'est-à-dire que voilà, c'est des jeunes adultes qui ont passé, en gros, la meilleure partie de leur vie dans les années 80. Donc, autant te dire que eux, ils ont vraiment vécu ça en plein dedans, quoi. Et ça a déteint sur moi, sur les musiques, les sitcoms. Je connais presque tout de cette époque alors que j'ai même pas 30 ans. Tout ce qui a un rapport avec les années 80-90, ça me plonge dans une nostalgie. Encore plus avec la situation dans laquelle nous sommes en 2021. Ouais, y'a mieux quoi. Alors t'imagines bien le truc quand le dimanche 20 juin, Martin nous a dégainé sa collection 1988 avec le teaser. Le teaser, il est exceptionnel, vraiment. Rien que l'intro. Elle a quand même été assez discrète, hein. Personne l'a vu venir, ce style de vibe, d'ambiance. Ça a mis vraiment une putain de claque à tout le monde. Qu'est-ce que ça a dû foutre les morts à certaines personnes, putain. Je vais même dire que c'est un peu du jamais vu. Un packaging VHS, une palette de 18 fards. Avec des couleurs extra pétantes et le nom des phares. Hélène, Cathy, Béné. Vous pouvez pas comprendre si vous connaissez pas, je vous jure, je vous jure. Oh, mon cœur, il s'est serré, mais serré. J'ai dit, c'est pas possible. Ça m'a procuré une émotion alors que c'est qu'une putain de palette. Je vous jure, ça m'a presque donné envie de chialer. C'est du génie. Avant de commencer le unboxing, je tiens à préciser que j'ai commandé la collection le mercredi, donc le jour de son lancement, à midi. Ma commande a été validée à midi 5, quelque chose comme ça. J'ai reçu le mail d'expédition le lendemain, donc le jeudi, et j'ai reçu mon colis le lundi suivant. Donc, rapidité, service client, suivi de colis, rien à signaler. Parfait. Donc c'est parti pour le unboxing. Je me suis attachée les cheveux parce que je crève de chaud, je vous jure. Donc j'ai reçu mon colis dans ce petit carton qui se présente comme ceci. Donc, on a une petite carte avec marqué 1988 en relief brillant et en papier très soyeux. J'arrivais pas à décrire, mais vraiment la qualité de cette carte, elle est magnifique. Un poster de Martin, comme on avait à l'époque dans nos petits magazines Fan 2 et compagnie. Quand je vous dis qu'elle a pensé à chaque détail, c'est qu'elle a vraiment pensé à chaque détail. C'est vraiment un gros retour en arrière. Ça se fait plus du tout, quoi. Donc, vraiment, j'ai adoré l'idée. Et surtout que tout le monde puisse le recevoir quand on commande la collection et non pas que les envois presse. Donc, vraiment, je trouve ça super sympa. Et ensuite, dans du papier de soie bleu roi, la couleur, elle est magnifique. On a les produits à l'intérieur. À commencer par le kit de lip gloss qui contient 3 teintes. On a la cyprine, la Arlette et la Carole. Je vais vous les swatcher. Oh, c'est super opaque. Donc ça, c'est la teinte Carole. Le packaging aussi, comme ça, transparent. Je trouve ça vraiment magnifique, hein. Vraiment, ils sont super, super beaux, hein. Avec les petits détails. Vraiment, je suis archi fan. Ensuite, on a la teinte Arlette. Ouais, ils sont hyper crémeux et hyper hydratants. Mais surtout, super opaques. C'est très rare pour des gloss, hein. L'odeur, oh là là. Ce qui sent bon. Et on a la teinte cyprine, c'est celle que je porte actuellement. Je vous la swatcher également. Ils sont vraiment magnifiques.
Le Carole, il est ouf, hein. Les deux autres, j'adore aussi parce que c'est, voilà, ça reste un peu du nude, une version un peu rose poudrée et une version un peu plus tirée vers le beige ou, voilà, un peu plus marronné. Mais alors celui-là, il est vraiment couleur framboise. Il pète le score. Magnifique. Et donc, à la suite de ce trio de lip gloss, nous avons la bête. Le packaging, il est mais juste incroyable. Regardez-moi ça. C'est un truc de ouf. Elle est vraiment trop belle, la palette. J'ai rien à dire. Encore une fois, chaque détail, tout a été vraiment pensé au millimètre près. Vous voyez ce truc quand une personne vraiment vous embarque dans son univers? Voilà, c'est exactement ça. On dirait une vraie VHS. Pareil pour son boîtier. Hyper qualitatif. C'est pas le truc tout fin, tu sais, ou bah, qui tient pas tout seul si la palette n'est pas dedans. Je vais l'exposer avec fierté sur mon présentoir parce que je la trouve trop belle, la palette. Et pour ce qui est de l'intérieur, s'il vous plaît. Les fards, ils sont vraiment incroyables et j'aime beaucoup l'harmonie des couleurs. On peut très clairement faire quelque chose de très 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 spicy, de très lumineux, de très flashy, tout en ayant quelques fards quand même assez nude pour faire quelque chose d'assez naturel. Moi, j'aime beaucoup faire un point de lumière ou un point de couleur, même quand je fais un make-up hyper simple ou quelque chose de très naturel. Et du coup, là, clairement, tu te régales, quoi. Que ce soit les fards mats ou les fards irisés, ils sont magnifiques. Le nom des fards, Hélène, Cathy, Bénédicte, Johanna, putain, Johanna, Adeline, Magali, enfin bref. C'est ma première palette Martine Cosmetics, j'en ai entendu que du bien et je regrette absolument pas. Je suis vraiment bluffée par son travail. Gaëlle, pour ce coup, t'as mis tout le monde d'accord, tu peux être fière de toi. Donc voilà pour ce unboxing et cette petite présentation de la collection 1988 de Martine Cosmetics. Donc maintenant, on peut passer au tuto de ce make-up que je porte actuellement, qui est un make-up vachement flashy, assez lumineux, pas trop discret. C'est un peu le make-up que tu fais quand t'as envie qu'on te repère, quoi, tu vois. Et on terminera avec un look plus soft, un peu plus naturel, avec les teintes moins flashy de la palette 1988. Pour commencer ce make-up, je vais prendre le fard Mélanie, qui est celui-ci, et avec un pinceau plat, celui-là il vient de chez Smashbox, mais je sais plus c'est le numéro combien. Je prends le fard et je l'applique au coin interne de mon œil, mais juste au coin interne, sur la paupière mobile. Je remonte légèrement. Je continue uniquement sur le creux du pli de paupière, mais léger. Et au coin externe, avec le fard Mélanie, je commence à dessiner ma forme. Je vais prendre un pinceau comme celui-ci, un peu biseauté. Je prélève le fard Mélanie. Je forme comme une sorte d'eyeliner. Et vraiment fumé. J'en profite pour redessiner le coin interne de mon œil. Je reprends le pinceau plat. Vous voyez, je veux vraiment comme si que c'était un œil de chat, mais avec cette partie-là en biais, nu. Pas, vous voyez, d'habitude, quand on fait un ombré ou quand on veut faire ce style de make-up, on laisse vraiment le milieu. Mais là, je veux vraiment qu'il soit dans la forme de la continuité de l'œil, vraiment comme œil de chat. Une fois que j'ai bien délimité les zones que je voulais remplir de ce fard, je reprends mon pinceau avec la teinte Mélanie et je continue à remplir. Avec un pinceau qui est un pinceau estompeur, mais extrêmement fin et précis. Je vais prendre le fard Hélène, qui est un bleu jean, et que je vais repasser en fard de transition sur le fard Mélanie. Je donnerai un petit coup de propre après, hein. Je trouve que le fard Mélanie n'est pas assez intense, donc je vais changer de pinceau. Je replonge dans le fard Mélanie. Ah oui, c'est mieux comme pinceau, ouais. Oui, c'est carrément mieux. J'ai un peu débordé. Je donne un petit coup de propre également au coin interne. Ensuite, avec un pinceau comme celui-ci, je prends le fard Cathy, qui ressemble au fard Hélène, mais qui est vachement plus nacré. Qui est tout simplement nacré même. Je plonge dedans. Oh, il m'a l'air crémeux. Et je le place là où j'ai laissé propre l'intérieur de ma paupière. Oh, c'est très joli. Hein. Franchement, il est très très beau. Et je referme, vous voyez? J'ai envie de voir ce que ça fait appliqué au doigt.
franchement, il se travaille bien, que ce soit au doigt ou au pinceau, il n'y a pas vraiment de différence, donc c'est assez cool. Je reprends mon pinceau avec la teinte Hélène, je replonge pour continuer la transition. Aussi au centre, ça se mélange bien entre les deux fards. J'aime beaucoup. J'ai essayé un nouveau produit pour fixer mes sourcils et il tient absolument pas. Ou alors il me les flingue, ça fait de la poudre, ça me dégoûte. Ensuite, avec un pinceau ras de cils, je reprends la teinte Mélanie, que je mets uniquement au ras de cils extérieur. Je reprends mon pinceau avec le fard Hélène, je le replonge légèrement et j'estompe. Et ensuite, avec un pinceau bien précis, je vais prendre la teinte Jill, qui est celle-ci. Ma petite voiture, mes petits voitures. Et je vais l'appliquer dans le coin interne de mon ras de cils. Ouh, elle est très belle, hein? J'adore. Le fard, il est super beau, hein? Putain. Je le fais se rejoindre avec les fards bleus. Je sais pas si j'en rajoute là aussi un point de lumière. Ah oui. Je prends un petit pinceau comme ça pour fondre un peu. Je vais le descendre encore, le fard Jill. J'ai envie de mettre un crayon en ras de cils, mais je sais pas, j'hésite entre ces deux-là. Donc c'est soit un crayon turquoise métallisé de chez Maybelline. C'est la collection Color Show, le 210. J'hésite avec celui-là. Ou alors un que j'ai acheté cet été chez Kiko, qui est le Free Explosion Eye Pencil en teinte 01. Doré métallisé aussi. Non, je vais mettre le bleu. Donc je le mets en muqueuse. Il marque pas beaucoup, hein. Il est beau le crayon par contre, hein. Je fais pareil de l'autre côté. Franchement, j'aime bien. Je vais prendre un pinceau comme celui-là. Je vais reprendre le fard Jill et je vais le fumer un petit peu plus. Du coup, je vais mettre un mascara de chez Tarte qui est le Vaniteur. Il est incroyable ce mascara, sans recourbe cils, sans base. Ça tue, moi j'aime bien hein, avec mon haut là. J'aime vraiment beaucoup. Au début, je me suis dit dans quoi je m'embarque. Je vais pas vous cacher, j'avais peur du résultat. Bah, parce que c'est pas vraiment des couleurs que j'ai l'habitude de mettre. Et c'est vraiment bien avec ce genre de DA, c'est que ça te pousse à des fois à aller vraiment, si t'as un coup de cœur sur le marketing ou sur le lancement, ou même, comme je vous ai dit, les noms des fards et tout ça, t'as envie d'acheter la palette et du coup, t'as envie d'essayer et ça te pousse vraiment dans tes limites. C'est-à-dire que je sais pas si ça avait été une palette de quelqu'un d'autre ou d'une autre marque lambda comme ça, si j'aurais osé mettre ces couleurs-là tout de suite maintenant, quoi. On passe aux lèvres. Et pour les lèvres, du coup, chez Martine, je me suis pris le crayon Marcel, qui est le prénom de mon arrière-grand-mère, et la couleur en plus de ça me faisait du charme. Donc, vu qu'on a les yeux quand même assez chargés, tu vois, on va pas non plus pousser le truc des années 80 à ressembler à un lampadaire, on va se calmer. Je vais t'es bien habillée, genre bande de fluo, ceinture fluo et basket de fluo, oui, tu vois. Oui, alors. Il y a un type qui passe à côté de moi et qui dit tiens, ils ont mis un nouveau lampadaire. Du coup, sur ces trois teintes, je vais prendre la teinte Cyprine. Le packaging, il est vraiment magnifique. Hein. Avec le contour des lèvres Marcel. J'adore le crayon. Il marque vraiment super bien. Et j'applique le lip gloss Cyprine. Oh, il sent bon. J'adore. J'adore la texture. Donc voilà pour ce premier look. Boys. Summertime love in the summertime love. Boys. Summertime love, summertime love in the summertime love. Boys. Me revoilà avec le teint fait. Du coup, pour ce deuxième look, je me suis dit pourquoi pas tester avec une base à paupières, c'est celle de chez Beauty Bay. J'ai poudré mes paupières. Je vais commencer par m'appliquer des petits adhésifs au coin externe de mes paupières. Vu que j'ai poudré mon teint, ils accrochent pas beaucoup, mais bon, ça va faire l'affaire. Et avec un pinceau précis, je vais commencer avec la teinte Magali, que je dépose au coin externe. Et je reviens légèrement au-dessus de mon pli de paupières. Je continue en fumant dans la continuité de mon ras de cils pour avoir cet effet fumé et je réintensifie au-dessus de mon pli de paupière. La couleur, elle est magnifique, hein?
elle apparaît marron froid sur la palette, mais j'ai l'impression qu'elle a des tons un peu aubergine, un peu prune. Je trouve ça très joli. Ensuite, je reviens légèrement au coin interne, au-dessus de mon pli de paupière. Pour être honnête, je pars en freestyle, hein, parce que vu qu'on a vu beaucoup de looks super colorés, je me suis dit, on va faire donc un look vraiment pétant, flashy avec les couleurs, parce que vraiment, ça serait du gâchis de pas les utiliser en crash test. Mais je voulais aussi, en fait, utiliser les teintes un peu plus simples, comme si je décidais de me maquiller, voilà, comme ça, pour un truc, pour un événement de tous les jours, par exemple. La couleur, j'adore. Ensuite, avec un pinceau estompeur, je vais prendre la teinte Magali, que je vais utiliser en fard de transition au-dessus du fard Aurélie. Les fards, ils ont une texture incroyable. Vraiment, ils se superposent super bien. Je suis choquée. Ça se fond, mais vraiment parfaitement. Je reprends mon pinceau avec la teinte Aurélie. Et je réintensifie cette fois-ci uniquement le creux de paupière. Et je vais intensifier le coin externe avec la couleur Aurélie. Ensuite, avec un pinceau plat comme celui-ci, je vais prendre la teinte Adeline. Je prélève et je vais l'appliquer au coin interne de ma paupière mobile. Je vais voir si au dos il s'applique pas un peu mieux. Ouais, j'ai l'impression. Je reprends mon pinceau avec la teinte Aurélie, je retrempe dans le fard et je repasse au creux de paupière pour donner un bon coup de propre. Remets au coin externe. C'est magnifique. Hein. Ensuite, je prends un creamy eyeliner de chez Glam en marron. Et je vais déposer comme un eyeliner au coin externe et au coin interne. On l'applique grossièrement parce qu'on va venir le fumer au pinceau biseauté. Putain, il est où mon pinceau biseauté? Putain, où est-ce que j'ai foutu ces putains de pinceaux? Donc du coup, je le fonds et je l'étire. Puis j'en rajoute au ras de cils. Je fume également. Oh, c'est hyper joli. Je vais enlever les petites chutes. Ouais, ça part un peu dans le prune, hein, les fards. Hein. Avant de passer au ras de cils, je fais pareil de l'autre côté. C'est super beau. J'adore le rendu. Oh, j'adore. Et franchement, j'ai pas mis 100 ans. Hein. Hyper easy. Hein. Bon, pour le ras de cils inférieur, qu'est-ce qu'on fait? J'ai un crayon de chez Kiko que j'ai envie de mettre en muqueuse. Parce que vu que ça part un peu vers le prune, ça vient également de la collection Kiko Free Explosion. Je les ai achetés en solde. J'ai pris plusieurs couleurs d'ailleurs. Je vais vous montrer celle-là. Je sais pas ce que je fais. Au pire, j'enlèverai. Hein. Bah, allez, on se lance. Il marque super bien. C'est joli, non? J'adore. Trop beau. Ils sont pas mal ces petits crayons. Hein. Je vais reprendre mon crayon marron de chez Chez Glam pour le ras de cils en coin externe. Oh, c'est magnifique. Je reprends mon pinceau avec la teinte Aurélie. Je replonge pas dedans. Et juste, je commence à fumer. C'est trop beau, putain! Bon, là, je replonge un petit peu, mais vraiment léger. Puis avec le crayon fuchsia en muqueuse, ça claque. En mascara, je reprends celui de chez Tarte. Bref, j'adore. Et pour le lip gloss, j'ai envie de mettre la teinte Carole. My God. Waouh! La couleur, elle est vraiment magnifique, mais bon, pour ce make-up, c'est un petit peu trop. Quoique non, ça dépend en fait de l'événement hein, où tu vas. Hein. Si tu sors ou quoi dehors, ça peut le faire. Ça rappelle un peu l'intérieur de ma muqueuse, ça rappelle le fuchsia. Je fais quoi? Je laisse ou je tente... Bon, allez, j'enlève, je vais essayer avec la teinte Arlette, comme ça au moins on aura vu les trois teintes. Je reprends le crayon contour de lèvres Marcel. Ça va devenir mon contour de lèvres préféré. Je prends ensuite la teinte Arlette. Ah ouais, ça passe 100 fois mieux avec cette teinte, hein, qui est d'ailleurs très très belle. Ils sont hyper hydratants, ils collent pas du tout hein, les gloss. Donc voilà pour ce look numéro 2.
Voilà pour cette vidéo sur la revue de la collection 1988 de Martine Cosmetics. Vraiment, je vais faire un petit point rapidos, même si voilà, je pense que vous avez compris tout le long de la vidéo que j'ai adoré la collection, bien avant même de l'avoir entre les mains, rien que pour le lancement. Et la qualité a suivi, donc vraiment pas du tout, mais alors vraiment pas du tout déçue. La palette, elle est exceptionnelle, les fards, ils sont très beaux. D'ailleurs, je crois qu'elle est encore en précommande sur le site de Martine Cosmetics. Niveau packaging, c'est un bijou. Niveau harmonie des couleurs, c'est super beau, c'est vraiment une palette agréable à avoir dans sa collection quand on collectionne, quand on est passionné de make-up. J'aurais bien aimé vivre ma jeunesse dans les années 80, que ce soit pour les tendances, les films, les musiques, non pas les coupes de cheveux. Mais voilà, pour toute la vibe autour et d'avoir retrouvé cette nostalgie au sein d'une collection de make-up, franchement, je pouvais pas rêver mieux. Donc Gaëlle, merci. Merci pour ce projet, vraiment, c'est une réussite. Il n'y a rien à dire, vraiment, et j'ai strictement rien à dire de A à Z. Enfin, le site n'a pas planté le jour du lancement. Expédition, rapidité, réception du colis, produit arrivé en excellent état, super bien emballé, expérience client valide à 100%. Donc vraiment, c'était la première fois que je commandais sur Martine Cosmetics et je regrette absolument pas. Je pense même que je vais y retourner et essayer d'autres produits, que ce soit les mascaras ou les palettes teint. D'ailleurs, il me semble qu'elle va lancer également Martine Skin. On est sur une putain de leaders là. Les lip gloss, odeur incroyable, embout incroyable, packaging incroyable, pigmentation, tenue, ça fait presque une demi-heure que j'ai mon rouge à lèvres, il a pas bougé, il colle pas. Pareil, si elle en sort d'autres dans cette formulation, dans d'autres teintes, je fonce direct, vraiment, j'aime beaucoup. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos des produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. Enfin, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce lancement, ce que vous pensez de cette palette, est-ce que vous l'avez acheté le jour de son lancement ou est-ce que vous n'hésitez encore à la commander. Je vous envoie du love et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez.